اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de quoi? D'obéir au gouverneur musulman. Ensuite, ce gouverneur musulman a fait cette plaque. Pourquoi? Pour te préserver ta vie et la vie des musulmans. Donc tu dois lui obéir. S'il avait fait une plaque qui contredisait un verset ou un hadith. Non. S'il avait fait une plaque qui dit par exemple, Yanné, je ne sais pas quoi, arrêter ici pour boire l'alcool ou là. Non. Ça, tu lui obéis pas. Non. Mais quand il a fait quelque chose dans l'intérêt de la nation, et ça se contredit ni avec le Coran, ni avec la Sunna, et encore, c'est le Coran qui dit, et la Sunna aussi, donc, il y a un est transgressé. Ce qu'il a fait devient un péché. Et pourtant, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, nous tous, moi-même, plusieurs fois, tu respectes pas la plaque, surtout sur l'autoroute, plusieurs fois. Là, car des fois, je crois qu'il y a... Car des fois, pourquoi? Ce qu'il y a le problème en Algérie, c'est la mouchkila, c'est quoi? C'est que des fois, ils mettent la plaque là où il faut pas. Là où il faut pas, où tu peux pas marcher à rouler à 80, il te dit 80, des fois, il te dit 40. Là, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous pardonne. Tfadl. Amin. Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: j'aimerais que vous expliquiez la règle que vous avez expliquée durant le cours, car je n'ai pas compris. Cheikh, barakallahu fikoum. Est-ce que quelqu'un peut me répéter la règle ou me rappeler la règle? Si je ne me trompe pas, ça concernait une règle que vous aviez citée, des fruits, etc. Là, le prophète cite quelque chose qui est en général. Ensuite, cite. Ensuite, ça veut dire c'est pas ça se suit. Ça peut être après une année ou là vient un autre hadith ou bien un autre verset qui dit quoi? Qui cite quelque chose de particulier dans la même chose. Que ça soit deux versets ou bien deux hadiths ou bien un verset et un hadith. L'un des deux cite quelque chose de général, l'autre cite quelque chose de particulier. Les savants au solion disent Al-Khas muqaddam al-lam wa yaqdi al-lam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait primer le particulier sur quoi? Sur le général. On fait primer le particulier sur le général. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit en général que toute femme dont le mari décède, sa période viduité c'est combien? C'est 4 mois et 10 jours. Vous savez cela, tout le monde sait cela. Ça, par exemple, c'est un verset général. Ensuite, il y a un autre verset où il dit que celle qui est enceinte, sa période viduité, c'est quoi? C'est quand elle accouche, jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc comment qu'on va faire ici? Yanné, on va dire que toute femme en général, pour grouper entre les deux versets, toute femme en général, si son mari décède, sa période de viduité, c'est 4 mois et 10 jours. Sauf si maintenant elle est enceinte, yanné, sa période de viduité est quoi? Et yanné, 4 mois avant, et jusqu'à ce qu'elle accouche, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et il y a comme ça beaucoup, beaucoup d'exemples dans le Coran et la Sunna où il est cité quelque chose en général, quelque chose en particulier. Et que toujours, on fait primer, gagner le particulier sur le général. Tfadla.